Et salut à tous et à toutes, c'est Kondatroba pour une nouvelle vidéo de ce Let's Play. Pour l'épisode numéro 10 déjà, donc nous en sommes déjà après un tiers et je vais marquer mon frise que j'avais pas enlevé, bref, désolé. On se trouve du coup aujourd'hui pour l'épisode numéro 10 déjà, du coup à peu près un tiers de notre aventure sur The Last of Us. Puisque je vous rappelle, le Let's Play durera 27 épisodes si je me trompe pas. On se retrouve exactement où on s'était laissé la dernière fois. Donc on avait déjà cleané le bas, en grande partie. On avait... Il nous restait en gros, entre guillemets, le haut à cleaner plus ou moins proprement. Là, il y a deux battes. Donc bah, c'est cool, ça nous fait des possibilités de one shot. Enfin, notamment une fois que c'est amélioré comme ça. Et puis voilà. Du coup, n'oubliez pas, si vous avez des idées de choses que vous voulez... des sujets de discussion, on va dire, dont vous voulez que je parle dans ce Let's Play là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, en sachant que je tourne cet épisode 10 alors que le 9 n'est pas encore sorti. Donc si vous avez répondu en commentaire sur l'idée de la webcam, bon du coup je vous l'ai dit, c'est peut-être pas pour aujourd'hui, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, pour, j'avais dit quoi, j'avais dit épisode final, épisode de celui qui a été tourné pour l'ASMR, mais qui sera, que je tournerai aussi une fois classiquement pour, ma chaîne principale, pour ce Let's Play, et un autre sur un épisode que j'aime bien, ou ce genre de choses-là. Donc on verra, dites-moi dans les commentaires, si vous ne l'avez pas déjà dit dans la vidéo d'avant. Donc là il y a eu une petite coupure, c'est normal, parce qu'en fait j'ai sauvegardé, ça faisait très très longtemps que je n'ai pas sauvegardé, et je me suis dit, bon bah, sait-on jamais si genre le jeu crache et que ça ne se souvient pas, enfin bref, on ne sait jamais. Donc voilà. Alors c'est repéré direct, donc bon. Pas possibilité d'esquiver, donc bon voilà. On tabasse. Et puis voilà quoi. Il n'y a pas 300 000 choses à faire. Voilà. Du coup, comme vous l'avez remarqué avec la sortie de cet épisode là, qui normalement est plutôt proche de l'épisode d'avant, c'est que voilà, donc là vous voyez que je fonce alors que bon, du coup je prends une balle. Bon, des fois ça peut arriver d'en prendre plus. Mais voilà, c'est pas très opti quoi. Aux petits oignons, ah pardon, c'est vrai qu'il était nul. Oui, ce que je disais, c'est que cet épisode-là sort plus proche de l'épisode d'avant. Puisque, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur l'ouverture de ma nouvelle chaîne, de la nouvelle chaîne ASMR, avec. Du coup, je vous ai annoncé quelques projets. Et il y en avait un, c'était un peu déstructurer un petit peu mes sorties de vidéos. Et plus faire ça au feeling, ne pas m'imposer un rythme spécifique, même si je sais que inconsciemment je vais m'imposer un rythme spécifique parce que j'ai pas envie de enfin parce que je vais pas faire je sais pas deux théories des BD d'un coup ou ce genre de choses là, je sais que enfin genre, et si j'en fais une semaine, je sais que la semaine prochaine j'aurais voulu envie de faire autre chose, donc je sais que voilà, sur ce genre de choses là ça va peut-être pas avoir un grand impact, mais par exemple sur les épisodes du LP ça va changer un petit peu dans le sens où genre si cette semaine j'ai envie d'en faire deux épisodes j'en fais deux. Si la semaine prochaine j'ai envie d'en faire 3, pourquoi pas, j'en fais 3, et si j'ai envie d'en faire qu'un, j'en fais qu'un, voilà, et si j'ai pas envie d'en faire, j'en fais pas, et pourquoi pas commencer un espèce sur un autre jeu, alors que j'ai pas fini celui-ci, mais je me connais, j'aurais pas trop envie, même si ça peut être cool en vrai de commencer aussi un autre LP, mais bon, j'ai pas trop envie de vous perdre non plus, après, enfin, je sais que vous êtes tous pas forcément intéressés par le Let's Play de The Last of Us, et donc du coup, avoir un deuxième Let's Play, ça peut permettre de toucher ceux qui ne sont pas intéressés par The Last of Us. Ok, merci Ellie pour cet instant de BD. Et voilà, vous voyez qu'il y avait une porte de sortie en haut. Et donc, je me demandais s'il y a peut-être moyen de maroufler en fonçant à l'appartement. Ouh, là, cette vision-là aurait pu être sympa en miniature, je l'avais pas vu. Mais j'ai déjà sélectionné ce que j'ai envie de mettre. Bien possible. Allons voir où ça mène. Du coup, on continue exactement. Donc, c'était le. On venait de... Donc, il y avait eu. Je vous rappelle, ça tombe jamais. Il y avait eu une embuscade. Fais attention en ce temps. On avait échappé aux bandits. On s'en était débarrassé surtout. On était remonté un peu à la source. Et là, on venait de se débarrasser de l'autre partie où il y avait des bandits. Donc là, on va continuer à avancer vers un pont, je crois. Et évidemment, on va tomber sur d'autres bandits en...
sur la route, puisqu'ils sont étendus sur, sur une grande zone, on va dire. Ah, le pont qu'on souhaite est juste en face. Donc évidemment, il y a de l'eau. Évidemment, Ellie ne sait pas nager. Donc, on va trouver une solution pour la faire passer. Et puis, ça pourra peut-être nous permettre aussi de qu'elle nous mette la planche, entre guillemets, pour qu'on puisse traverser. Voilà, ce qu'elle va nous dire. Donc on arrange tranquillement. On fait une petite baignade. Je voyais pas de planche, du coup je me dis c'est bizarre quand même. Là, il y avait un conteneur qui était ouvert finalement, donc on y va. Et c'est là où on se dit waouh. Regardez, franchement. Vous mettez pause, vous prenez un screen et vous mettez en fond d'écran. Franchement, c'est propre, quoi. Comme ambiance. Vous avez l'eau toute verdâtre d'un côté. Genre de petite ambiance de café tout sympatoche. Mais en même temps vieillie par le temps. Parce qu'évidemment, plus personne vient ici ou pas. Enfin, c'est pas entretenu, quoi. Franchement, c'était la classe, je trouve. Enfin, j'aime bien. Donc là, on peut monter ce qui nous mène à l'endroit pour traverser, mais vu qu'on n'a pas mis la planche de l'autre côté, ça ne servirait à rien. Donc on continue. Et on voit où ça nous mène. En tout cas, j'espère que ce let's play vous plaît toujours autant. Je sais que vous n'êtes pas énormément nombreux par rapport à certaines autres vidéos à regarder ce let's play, mais franchement, je le trouve plutôt cool. Après, c'est toujours le souci de d'un let's play, hein, c'est que ça traîne en longueur. Donc dans le sens où genre c'est longuet etc, mais dans le sens où bah ça reste un jeu avec une aventure longue, 27 épisodes c'est long, et en général avec les standards d'aujourd'hui, si je devais faire un let's play sur The Last of Us mais qui correspondrait à, enfin qui vous attirerait un peu plus, faudrait que je fasse des cuts tout le temps, faudrait que voilà. Le problème c'est que on peut se permettre de faire des cuts sur un let's play, etc. quand c'est un let's play qui est tourné en direct. Dans le sens où bah, mes réactions, ce que je vais dire, réagir sur le jeu, bah, il faut que ce soit en direct. Si c'est en différé, je vais pas vous faire un montage en différé et vous dire alors là dans l'histoire il se passe ça, alors là dans l'histoire il se passe ça. Ça aurait été bizarre. Donc là j'ai cuté parce que là on va tuer des gens et tout. Fin... Où est-ce que tu vois un radeau flottant? Il est loin, je l'avais pas vu. Hein? J'ai plongé sous l'eau au cas où. Hein. Si je pense qu'il nous aurait pas vu. Donc voilà, maintenant on a de quoi faire traverser Ellie, et vu qu'on a visité un peu l'autre côté, on sait qu'on sera par ici pour retraverser, quoi. Et vous devez le remarquer aussi, enfin peut-être pas, parce qu'en fait, vu que je fais un peu de montage en général sur ma voix, enfin je fais un peu de montage, je monte un petit peu les décibels, enfin bon, ça dépend, mais là je suis seul chez moi, du coup je peux en profiter pour parler un peu plus fort, même si bah, je gueule pas non plus, parce que bah... Bah, j'ai pas l'habitude de gueuler, enfin c'est mon comportement, enfin c'est mon... Comment on pourrait dire ça? Enfin je sais pas, c'est comme ça que je suis, quoi. Je suis pas du genre à gueuler, à m'énerver, à être très énergétique, quoi. Et je sais pas si ça se ressent, du coup, dans le commentaire. Ça c'est... Enfin non, même dans le son de ma voix, etc. Parce qu'il y a certains épisodes que j'ai tournés qui étaient un peu tard. Du coup j'ai tendance à parler un peu moins fort. L'avantage c'est que mon micro est plutôt bon, dans le sens où je peux... parlez pas trop fort, et si j'augmente les décibels, le son restera propre.
Et ça, c'est plutôt cool. Mais bon, voilà. À vous de me dire. Donc là, nous met la planche. Merci, Ellie. Et à pouvoir traverser. Ah, l'appel, c'est des chasseurs. En tout cas, j'aurais choisi le... un nom pour les appeler, je sais pas trop. C'est chic. T'es allé dans ce genre d'endroit ? Enfin, avant tout ce bordel. Non. Non, j'en avais pas les moyens. Oh, ça devait être chouette. Peut-être, ça devait être chouette sans doute, j'ai envie de dire. Alors, on regarde un peu à droite à gauche, voir s'il n'y a pas des loots. Des trucs qui peuvent nous aider. Non, c'est trop haut. Voyons ce qu'on peut trouver. Je me suis trompé de touche pour ramasser, c'est pas grave. Là, j'ai de quoi faire parler, Joël. Ah, un bon petit café bien dégueulasse. Il y a une échelle, c'est parfait. Et évidemment, si elle est là et qu'elle peut être déplacée, c'est que elle doit aller autre part. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus. Donc, on va la récupérer. En vrai, dans la vraie vie. En vrai, dans la vraie vie. Genre marcher comme ça dans l'eau dégueulasse et du coup avoir les pompes pleines d'eau et tout ça, c'est vraiment trop chiant. Enfin, c'est trop chiant. En vrai, c'est pas ça de vrai, c'est trop chiant. Je sais pas du tout où est Ellie. Ouais. Non. Repose ça. Elle était juste derrière moi, d'accord. Okay. Je t'ai pas eu faire le tour, hein, Ellie. Tu es un petit peu fantomatique. Je l'ai mal mis. Évidemment. Ça va être mieux. Voilà. Parfait. Ça veut dire comment les bandits ont fait pour monter ici sans échelle. Ils ont peut-être un secret. Est-ce que les ascenseurs en fait ils marchent? Je crois que je vais encore mourir dans pas longtemps. Parce que là, en fait, là, on est dans un... Il y a pas mal de bâtiments avec... Enfin, il y a des bâtiments qui se relient avec pas mal de petits appartements, entre guillemets, avec pas mal de chambres et tout. Et du coup, c'est un petit peu labyrinthique. Et il y a pas mal... Enfin, il y a des ennemis un petit peu partout. Et il me semble que je vais mourir une fois. Mais je suis pas sûr. C'est un peu la surprise, quoi. Donc là, j'attendais qu'ils se séparent. Comme d'habitude. Hein. Là, je vérifie pour être sûr. Hop, je passe. Je sais qu'il y en a un à gauche. Les autres sont loin. Il est de dos, je me dis ouais, mais en fait, j'ai pas. À force d'être trop. Dans l'écoute, j'ai loupé ça. Le moment où il était à couvert, comme c'est qu'il a déjà tiré plusieurs fois, donc ça a troupé un peu le monde, on va dire. Et de deux. Et c'est encore deux contre moi. Donc, il y en a à terre, ça, il m'attaquera pas, mais vous voyez que ma vie, je me suis déjà pris deux balles. Et pas mal de coups. Et l'autre, il me tire dessus. Et voilà, je galère. Je voulais ramasser en fait la planche qui est par terre pour essayer de le tabasser avec. Mais ça n'a pas marché. Voilà. Donc, c'est parti. Heureusement, on était juste au début de la séquence. Donc, on a entre guillemets pas trop encore à faire. On sait juste que dès qu'ils vont se séparer, il va falloir être un peu plus rapide pour arriver dans le dos du gars de gauche. Et puis voilà. Ça devrait le faire, on va dire. Pourquoi faire ? On n'en voit plus des claqueurs. C'est parce qu'on fait gaffe et on va continuer à faire gaffe. Bon, finissons-en, ok ? Bon, peu importe.
On attend qu'ils finissent de discuter, blablabla. Hop, allez hop, séparez-vous, enfin, bougez un peu. Cette fois-ci, j'y vais direct, sans écouter, je sais où il va, dans son coin, et là, il m'entendra pas arriver. Je vérifie derrière, pour être sûr que personne nous voit. C'est parfait. Quelques petits ralentissements. Il y a un mec devant nous, les autres sont plus loin là-bas, du coup je me dis bon, on va commencer par lui. Il continue, c'est là où genre, pour se visualiser dans l'espace, comment est entre guillemets, c'est ce genre de zone un peu ouverte, c'est un peu chaud. Enfin c'est un peu chaud. Ça explique pourquoi j'y vais aussi prudemment, on va dire. Voilà, il est de dos. Mais bon, voilà. J'ai pas le temps d'arriver, donc bon. J'engage quand même le combat. Il fait quand même un coup de batte. Mais bon, je m'en sors. Et là, voilà, donc ça a quand même alerté un autre gars, donc bon. Écoutez, on se le fait, et puis voilà. L'avantage, c'est qu'ils n'avaient pas d'armes à feu, donc ils font pas assez de bruit pour vraiment appeler quelqu'un d'autre. Bon, je me fais déboîter la mâchoire, là, avec une barre de fer, mais je m'en sors quand même en vie. Et je récupère sa barre de fer très, très bon état. Bon, là, ça, évidemment, avec les coups, il y a les coups de feu, ça appelle les autres. Donc, petit à petit, je me les fais quasiment tous, un par un. Bon. Encore un volontaire? Non. Bon, mais ça a eu le mérite de... Voilà, ça fait devenir tout, de faire venir tous les ennemis de la zone, au moins. Et hop, ça, nickel. Merci, il m'a ramené une nouvelle barre. Ça, c'est pas beau. Par contre, faut peut-être que je me soigne. Je vais dans un coin où il n'y a personne, et c'est parti, on se soigne. Il y a du loot à mon avis un peu partout, mais bon, encore une fois, ça demanderait pas mal de temps de vraiment tout regarder. Je crafte un peu tout ce que je peux, comme ça, ça me permet de pouvoir ramasser au maximum tout ce que je peux ramasser. Donc c'est cool. Regarde si je peux passer à côté de certaines choses, etc. Ouais, mais si je pense que l'endroit est assez grand aussi pour qu'on ait vraiment la possibilité de passer, de se cacher un peu partout, de contourner les ennemis ou non. En plus de nous cacher plein de loot et que ce soit plus réaliste d'avoir un environnement entre guillemets semi-ouvert, quoi. Mais, vu que je me concentre sur le loot, je me concentre pas forcément sur la spatialisation de l'espace, donc des fois je vais me paumer. D'ailleurs, je crois que je vais tourner en rond au moment. Genre, c'est sur plusieurs étages, et à un moment, je crois que je vais tomber dans un trou, et ça va me ramener au début, du coup, je suis genre, what? Ah, ok, d'accord. Très bien. Mais écoutez, pourquoi pas, hein. Du coup, tant que je revienne, surtout que Ellie me suit pas, parce qu'elle elle sait que c'est pas par là qu'il faut aller. Enfin, ouais, vous allez voir. Enfin, vous verrez. Là j'écoute au cas où, c'est jamais, c'était quand même une grande zone, j'ai quand même attiré beaucoup de gens, j'étais quand même tous neutralisés, mais bon, on sait pas s'il y avait d'autres gens plus loin, quoi, qui nous auraient pas entendu forcément. Voilà. Enfin voilà, je sais pas si c'était très clair, mais voilà. Désolé, il y a eu une petite coupure, je me suis rendu compte en fait en cours de tournage que il y avait un moment où le jeu a freeze genre pendant 5-10 secondes, mais du coup j'allais pas vous laisser 5-10 secondes comme ça, en mode genre bon bah voilà ça a freeze, et bon, je me suis rendu compte donc je voulais enlever tant qu'à faire. Voilà. Du coup je
je ne sais plus du tout de quoi je parlais, mais... mais c'est pas grave, voilà, on fait un petit peu les chambres, on regarde un petit peu s'il y a du loot. Bon, il n'y a pas tant de trucs que ça à récupérer, hein. Faut pas non plus exagérer, hein. Mais bon, il y a quand même tant, tant de trucs à ouvrir. Et quelque chose, quelques petits bidules, quelques petites choses qui pourront nous être utiles pour crafter des trucs. Quelques balles, c'est utile aussi, même si je les utilise pas beaucoup. Il y a quand même des phases qui seront où c'est important d'en avoir. Et ce genre de phase, genre aller dans, se balader dans des vieux bâtiments abandonnés, comme là, ça fait vraiment penser à... dans un autre domaine. Mais un des trucs du jeu que j'aime bien de The Division, à savoir aller fouiller dans, dans des immeubles et tout. Et c'est d'ailleurs en fouillant dans les maisons, etc., qu'on peut trouver du loot, comme des vestes ou des trucs cosmétiques. Et c'est un moment, c'est des moments du jeu que j'aime bien. Et du coup, ça me faisait penser à ça. On change d'étage, évidemment. De nouveau les ennemis. Lucie vient vers nous. Je voulais reculer pour pas qu'il nous voit. Voilà. Mais bon, il est parti, donc c'est cool. Voilà. On va essayer d'aller derrière lui. En cas d'urgence, je pouvais toujours lui lancer la bouteille que j'avais. Perfecto. Grododo. Bref. Et du coup, ouais, je reviens parce que j'y viens repenser. Oui, je sais, je vous en ai parlé, genre, l'épisode dernier, je vous en ai parlé en début de cet épisode-là, et je reviens genre aux deux tiers de cet épisode-là sur ça, mais bon. Si vous avez des... Enfin, pour les facecams, si, en dehors de l'épisode final et de l'épisode... on va dire l'épisode spécial ASMR, un truc bien que j'ai tourné. Si vous avez d'autres moments du jeu, enfin que vous connaissez le jeu et que vous avez des moments particuliers où vous pensez que c'est genre... Enfin, vu que ce sera un épisode spécial avec ma tête, bah, un truc à faire... peut-être que ces épisodes-là feront un peu plus de vues, donc peut-être que si un moment du jeu que vous trouvez particulièrement bien... vous pouvez me dire lesquels seraient cool à votre avis à faire avec ma tête, quoi. Et là, évidemment, mauvais timing, mais bon. Enfin, mauvais timing, oui, non, parce que c'était au moment où je l'ai fini de l'assommer et j'avais un couvert juste à côté. Voilà, et ma barre de fer, c'est mon arme préférée, quoi. Arta, t'attends l'arc, moi, la barre de fer, c'est gros kiff, quoi. Donc en effet, j'avais peur qu'il y ait quelqu'un derrière, et en effet, il y avait quelqu'un. Il y avait un autre méchant pas beau. Je crois qu'il y a eu des ralentissements, désolé. Et Lynn nous aide, c'est cool. Merci, Lee. Bla. Au revoir, monsieur. Alors, un autre gars. Au revoir. Un cocktail, merci. Porte verrouillée par un gros mécanisme. Encore un peu de loot. Et là, j'ai entendu le bruit, vous savez, et du coup je me suis caché. Gars. Mais oui, c'est le trouillard, c'est vous qui allez mourir, c'est tout. C'est un trouillard, mais... Un trouillard qui survit. Il m'a repéré avant, tant pis. On y va. On lui loue sa gueule. Et voilà. Lui aussi. Pam, pas de chance, il y avait un mur à côté. Merci pour... le loot. J'écoute pour être sûr. Mais il n'y a plus un personne, donc c'était plutôt cool. Là, on est vrai que j'avoue qu'entre genre cet endroit-là et l'autre endroit, on était dans deux zones plutôt grosses. Mine de rien, avec quand même pas mal d'ennemis.
Donc c'est pas mes zones préférées, hein, évidemment. Comme vous le savez, je préfère les zones plus tranquilles. Celles où on peut vraiment observer tout sans avoir la pression d'un ennemi ou autre. Même si là, vous voyez qu'une fois que tout, une fois qu'on s'est fait les ennemis, bah, on peut quand même se balader plutôt tranquillou. Et du coup, j'aime bien. Trou dans le mur. Et là, il y a un trou par terre. Je crois que c'est là où je vais aller. Je vais dire, oh, je vais aller voir. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, parce que là, vous voyez qu'on arrive, on retourne à un endroit où on était tout à l'heure. On aurait pu, tout à l'heure, prendre ça, monter directement, et du coup, peut-être éviter des ennemis. Et peut-être, du coup, soit ne pas avoir à se les faire, soit on serait arrivé dans leur dos, quoi. Et du coup, c'est marrant. Enfin, c'est marrant de te dire ça, quoi. Du coup, je dis, moi, genre, mais je suis complètement perdu, moi, genre, mais je vais où? Je fais quoi? Jusqu'à ce que je reconnaisse à peu près, que je me dise, ah, mais attends, on est en fait, il y en a rien, en fait, là. Et du coup, de... voilà. On va voir un peu par où il fallait aller. On reprend les escaliers pour monter. Et vous voyez que Ellie, elle ne nous suit pas. on s'est barré, tant pis pour nous. Voilà, de toute façon, on va retrouver Ellie, on va avancer un tout petit peu, et je crois qu'on va s'arrêter très bientôt, parce que mine de rien, on est à 26 minutes. C'est là où je... j'écoute pour voir où elle est, je vois qu'elle est à 2000 mètres. Je suis genre, ok. Et d'ailleurs, Ellie, c'est une des seules qu'on peut entendre aussi loin. On ramasse. Tant qu'à faire, autant s'équiper un peu. Hein. C'est pas une barre de fer, mais c'est un bon début, on va dire. Voilà. Je crois que... ouais. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire autre chose après l'avoir retrouvé? Je ne sais pas. Parce que mine de rien, je suis quand même allé assez loin. Peut-être pas. Peut-être juste la retrouver et s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah. Salut toi. C'est toi. Voilà. En tout cas, si vous avez... dites-moi ce que vous pensez du coup de ces nouveaux... cette nouvelle pub... Enfin... Ah, j'arrive à parler, mais en gros, le nouveau rythme un peu changeant. Parce que là, du coup, vous avez l'application concrète, quoi. Par rapport à la dernière fois. Où je vous l'ai juste dit. On sort dehors, on va profiter un peu de la vie, de l'air frais. Pour se laisser, n'oubliez pas du coup le petit like, le petit commentaire, à partager si ça vous a plu, et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour la suite de notre let's play sur The Last of Us, et même plein d'autres choses. Plein de gros bisous, et à la prochaine. Ciao, ciao.